Fils d'Auguste Renoir, il a été dès l'enfance l'un de ses modèles et il sut, quoi qu'il en fût du génie de son père, créer une œuvre puissante et originale. Et en fait, si Jean a pu se lancer en cinéma, c'est parce qu'il avait de l'argent. Ses premiers films muets, il les a faits probablement en vendant quelques tableaux. On m'a demandé à la télévision américaine il n'y a pas longtemps pourquoi j'avais cru en Melville, en Godard, en Truffaut, en René et surtout en Jean Renoir. Je ne savais pas. Peut-être parce que quand ils sont près de moi, lorsque mon bout de nez va à gauche, c'est qu'ils ont du talent, à droite, c'est qu'ils n'en ont pas. La situation est devenue plus difficile pour lui, mais je crois qu'elle lui a été bénéfique au moment où on a inventé le parlant. Là, il a mordu. Je crois que on a un petit peu méprisé la Marseillaise. Et que c'est un film historique, ils ne sont pas très nombreux, qui a la même importance, le même poids qu'un film comme Le cuirassé Potemkin. Un homme calme, pondéré, solide, un peu rustique. Lorsque tout est fini, quand se meurt votre beau rêve. On ne fait pas un film tout seul, disait Jean Renoir. Assistants, opérateurs, producteurs, ils furent ses artisans. Les artisans de Jean Renoir, première partie, les débuts d'un cinéaste en marge, la 7. Les artisans de Jean Renoir, seconde partie, le temps des malentendus, la 7.